banlieue de Paris, entre grisaille et ennui, il survivait. Dans un petit appartement, sous les toits, en attendant de mieux trouver. Avec pour seul horizon, l'écran de télévision qui ronronnait. Et brûlait à petit feu leurs promesses d'amoureux et leurs projets. Pierre n'avait plus d'emploi, maintenant il pointait à la NPE. Il n'avait rien d'autre à faire que jouer au millionnaire, rêve qui peut. Et Sylvie, enfin de droit, redoutait les fins de mois, et dans ses yeux on devinait ses tracas cachés sous la fausse joie des malheureux. Pierre et Sylvie, Sylvie et Pierre se languissaient d'une autre vie, d'une autre terre, désespérés. Ils surveillaient le facteur qui passait vers les 10 heures chaque matin. Épluchait tous les papiers, les annonces et le courrier, toujours en vain. Puis un jour où l'amertume charriait plus que de coutume son trop de chagrin. Pour fuir la réalité, allumèrent la télé, un vieil instinct. Là sur l'écran, les images parlaient d'un petit village d'Illimousin. Assistait au départ d'épicier du patelin. Le vieil homme regrettait de ne pouvoir céder son magasin. Alors ils se sont regardés et le soleil est entré dans leur destin. Pierre et Sylvie, Sylvie et Pierre se languissaient. Attendait. Et vous devinez la suite après une petite visite. Ces braves gens, ils ont repris la maison, la boutique et le camion du commerçant. Et si Pierre se lève tôt pour chiner dans les hameaux des environs, s'il vient au magasin causant de tout et de rien, sert les clients. Il paraît qu'ils sont heureux, n'en sont plus amoureux. Et au village, il m'a dit d'après ce qu'une autre a dit, pur commérage. Si elles sont pas trop fêlées, les cloches pourraient sonner un mariage. Et puis que 9 mois après, elles pourraient recommencer, il n'y a plus de chômage. Pierre et Sylvie, Sylvie et Pierre se languissaient.